Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Notre Parole. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui, surtout que nous allons entrer dans les choses sérieuses ici. Mais que se passe-t-il dans les églises? Ah, mes frères et sœurs, c'est ce que nous voulons découvrir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, cliquez sur j'aime. Vous n'êtes pas oublié, asseyez-vous en même temps très bien. Et ne bougez surtout pas, restez concentrés parce que vous essayerez vous aussi de nous expliquer ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir dans cette vidéo risque même de vous choquer. Mais c'est ce qui se passe. Si nous vous montrons pas ces choses, peut-être même Dieu va dire, mais c'est pas possible, on n'a pas fait le travail qu'il faut. Mais il faut que nous fassions ça. Il faut qu'on vous montre tout ça pour que Dieu lui-même puisse parler au travers de nous, afin que les yeux, les oreilles des gens se réveillent. Mes frères et sœurs, ce que nous allons montrer va même vous étonner. Suivez-nous. Ça va être extraordinaire. Ce que vous allez voir, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, mais c'est ça. Quoi? Que se passe-t-il ici? Regardez bien sa main. Que voulez-vous dans sa main, mes frères et sœurs? Un crâne. Quoi? Mais c'est un crâne. En plus, c'est un crâne humain. Mais qu'est-ce qu'un crâne humain fait-il là dans un endroit censé être un lieu où on va prier, même adorer Dieu? Est-ce un rituel? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Nous allons tout découvrir ici. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Qu'est-ce que les gens font? Nous allons voir concrètement ce qui se passe là-bas. C'est là que nous allons tomber sur des choses qui vont même vous étonner. Un désordre total. Regardez ça. Ici, on voit des gens qui viennent offrir des présents à Dieu. On va dire, ça s'appelle communément des offrandes. Et pendant qu'ils sont offrir des offrandes, ils donnent avec joie. Donc, ils offrent des choses au Créateur, au Dieu Tout-Puissant, avec amour. Mais dans cette démarche, il y a quelque chose d'étrange qu'on constate là-bas. Regardez vous-même. On voit un homme juste là au milieu en train de danser. Et depuis, il danse d'une manière que personne ne peut le contrôler, ce qui crée un désordre absolu dans cet endroit. Et ça, c'est le vrai visage de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est devenue un endroit où les gens viennent pour démontrer toutes les pas de danse qu'on prend dans le monde. Il n'y a pas de danse qu'on a accumulée dans notre vie antérieure, la vie où on était dans le monde. Toutes ces pas de danse se retrouvent ici à l'église. Et vous allez voir qu'il y aura un désordre total. Vous voyez qu'il a bondi. Il a bondi. Alors qu'une femme est en train de passer, elle vient. Revenons juste pas en arrière, vous allez voir. Vous allez voir combien de fois il y a un véritable désordre à l'église. Un désordre total. Regardez ça. Même la femme qui est ici, elle s'est même arrêtée. Elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait même pas quoi faire. Elle est dépassée par l'événement. Quand vous allez lui poser la question, ça, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il a, on lui dit, oh, c'est la louange, nous sommes en joie. C'est à cause de ça, on fait un truc pareil. Est-ce que c'est comme ça, nous, Dieu? Ou une autre manière de louer Dieu. Mais regardez vous-même. Elle est même surpris, elle peut bien dire. Mais regardez. Ça, c'est juste un bref aperçu de ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est juste pour vous introduire. C'est de l'eau à boire, pour boire de l'eau. Mais ce que vous allez voir par la suite ne va pas vous plaire du tout.
nous vous posons en même temps. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Et si on veut vous faire plaisir, on ne saura pas vous faire plaisir parce qu'on ne sait pas comment ça marche. C'est qu'est-ce que vous voulez le voir. Dites-moi, mes frères et sœurs, quand vous allez à l'église voir un homme de Dieu, c'est pourquoi? Dites-moi. C'est pour être béni, non? En général, c'est ce que les gens disent. On va voir l'homme de Dieu, il est puissant, il est fort, on va être béni. Et regardez ce que les gens sont prêts à faire juste pour être béni. Regardez ça. Cet homme se met le pied carrément sur la tête d'une femme et il verse de l'eau sur le pied où on lui verse de l'eau. Voilà, c'est une autre personne là, qui lui verse de l'eau sur le pied. Du genre comme si il se faisait adorer. N'est-ce pas cette image que ça donne? Regardez bien. Et cette femme pointe de l'eau à son tour pour se laver le corps comme pour se purifier. Où c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire du pareil? Même le Seigneur Jésus-Christ, il a lavé le pied de ses disciples. Même en ce moment, même si on se rencontre, il pourrait même laver mon pied, tellement il est rempli d'humilité. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ça veut dire que si les pasteurs devaient suivre vraiment Dieu, ce sont eux plutôt qui vont aider les personnes qui viennent vers eux à se sentir bien, au lieu que ce soit eux. Maintenant, lui, ici, visiblement, il devient, ça donne l'image d'une personne qui est un esclave, ne cachons pas les mots. Or, pour moi, c'est lui qui devait être même assis ici. Et ce pasteur a venu lui laver le pied. Et ce pasteur a venu lui laver les pieds juste pour montrer l'exemple, comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que chez Dieu, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert. Celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert. Donc si tu n'es pas prêt à cela, là, tu ne peux pas venir t'asseoir là pour dire que tu es un homme de Dieu. Ça veut dire que les hommes de Dieu, les vrais, on va les compter au bout du doigt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais regardez-vous-même. Et les gens ne savent pas ce qui se passe. Qui peut vraiment m'expliquer ça? Est-ce que ce gars, est-ce que c'est un homme de Dieu? Ou c'est un fétichisme, c'est un occultiste, je ne sais pas. J'ai besoin que vous venez aussi et que vous réagissez, vous nous dites. Vous nous expliquez concrètement ce qui se passe dans les églises. Pas tout simplement parce que quand on voit ça, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on lit juste en bas, tête de squelette qu'on retrouve dans les rites païens occultes, des rites païens occultes, à l'image de leurs confrères des Skull and Bones, alliés Illuminati. Mais qu'est-ce que ça fout là à l'église? Qu'est-ce que cette tête fait là? Et c'est ça aujourd'hui l'église de Dieu. Vous êtes sûr que c'est l'église de Dieu? C'est pas parce que les gens se baladent avec la Bible qu'ils sont vraiment des dieux. Hein. Il y a même des croix renversées là-bas, des croix sataniques là-bas. Regardez ça. Une croix renversée, ça, ce n'est pas la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Hein. C'est plutôt une croix satanique. Et ça se trouve dans les églises et personne ne sait ce que ça signifie. Personne ne veut même savoir même ce que ça signifie. Les gens disent, oh, arrêtez de juger les gens. Oh, les choses sont visibles. Le diable nous montre qu'il est là et les gens disent que, oh, laissons le diable nous montrer qu'il est là sans parler.
sans réveiller plutôt à ceux qui ne sont pas au courant de cela. Incroyablement, même ceux qui sont censés ne pas suivre Dieu ou ne pas être chrétiens, toutes ces personnes-là savent désormais que quand quelqu'un fait ses doigts comme ça signifie 666. Et même les non-chrétiens savent que 666 est censé représenter la marque du diable, pour être plus clair. Et regardez. Mais que se passe-t-il dans les églises? Est-ce que les gens adorent Dieu même? Est-ce que vous êtes sûr même que même ceux qui sont dans les églises, ce sont des pasteurs, des vrais pasteurs ou des hommes, des saints hommes de Dieu? Ça m'étonnerait. Peut-être même qu'il n'y en a plus. Hein? Peut-être même qu'il n'y en a plus sur la terre. Les gens même vont commencer à prier chez eux même tranquillement. Parce qu'en voyant tout ce genre de choses, ça fait peur. 666 par là, la main connue et le peuple se perd, le peuple s'égare. Voici des choses mystiques. Et les gens commencent à voir. Les gens ne sont pas bêtes. Tandis que les saisons de Dieu sont s'enrichir, les autres sont de s'appauvrir. Qu'est-ce qu'il faut pour aider toutes ces personnes? Aujourd'hui, vous entendez les hommes de Dieu tous parler de construire des bâtiments, mais rares sont ceux qui visitent les orphelins ou les veuves. Ça ne met pas de leur projet. Si c'est dans leur projet, faut me répondre. Moi, mais j'aimerais bien savoir ça. Nous sommes dans un monde perdu. Et toutes ces choses avaient déjà été annoncées par Dieu. Dieu nous avait prévenu. Dieu avait tout dit. Mais les gens ont cru que c'était de la blague. Vous allez entendre. Tout de suite. Écoutez bien. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Vous avez entendu ça? Et ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Ce que les hommes d'aujourd'hui disent, ils ne le font pas. Et regardez bien leurs œuvres. Écoutez encore, revenons juste en arrière, écoutez. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Vous avez entendu de vous-même. Les choses sont claires ici. Les choses sont même plus claires que claires. Les gens que nous entendons parler du matin, midi, soir, qui nous parle de Dieu, ceci et cela. C'est que ces gens-là font même ce que vous ne pouvez pas vous imaginer cela. Et ils vous disent, oh, faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas ce que nous faisons. Et ici, Dieu nous parle déjà d'avoir pour nous prévenir que ces gens-là font de longues prières juste pour l'apparence. Mais en clair, il y a des choses terribles qu'ils font, c'est que vous ne pouvez pas même vous imaginer. Donc ce que vous allez nous montrer là maintenant, c'est terrible. Ça fait peur. Un jeune chrétien, un jeune chrétien,
Il va se diriger tout simplement à l'église, à son église, lorsqu'un truc bizarre va se produire sur le chemin. Écoutons. Fait grand bruit sur la toile. Un chant assassiné. Le chant Silvio Emmanuel a été assassiné. Il a été tué dans son sommeil. On nous dit que cet homme-là, ce chant qu'elle a été chanté, on nous dit qu'il a été tué carrément dans son sommeil. Sa tête coupée puis emportée. Sa tête coupée puis emportée. La question que vous allez vous poser, mais c'est qui l'a fait et pourquoi? Qui l'a fait et pourquoi? Ce que nous allons découvrir même ici, ça va vraiment vous étonner quoi. Vous n'allez pas vous en remettre. Vous serez même plus surpris que surpris. Écoutez. Le corps sans vie et décapité du chancelier a été retrouvé à l'église évangélique La Cité de Dieu, 6 à Makori sans fil. Selon des riverains, le chant avait l'habitude de se rendre très tôt le matin à son église. Ce serait ainsi qu'il serait tombé sur ces sadiques criminels qui l'ont assassiné et emporté sa tête. Un suspect a été appréhendé et ce dernier, qui n'a pas nié sa culpabilité, aurait confié à la police que la tête décapitée du chancelier se retrouverait dans une église ici à Kumasi. Un crime crapuleux qui attriste en même temps et terrifie les habitants de Makori à Lueda, où le corps a été découvert. Vous avez entendu ça? Mais qui l'a tué et pourquoi sa tête s'est retrouvée dans une autre église? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens se baladent avec des grands humains passés par là? Et aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, là, c'est la tête des gens qui prennent pour travailler. Et ils collaborent avec les esprits mauvais. Mes frères et sœurs, voici ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Et ça, c'est juste un bref aperçu. Dites-nous ce que vous en pensez, on aimerait bien savoir. Qu'est-ce qui peut vous expliquer tout ce que nous venons de voir? Réagissez. Abonnez-vous à la gauche, ne manquez pas la prochaine vidéo. Mais c'est choquant.